Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager une portion de l'Évangile. Je suis le pasteur Julien Gaumont et certains de mes enfants affectionnent m'appeler Mama Chouchou. Aujourd'hui, nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 1, les versets 18 à 20. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Alléluia! Si la bouche de l'Éternel a parlé, qui peut s'opposer à la parole de l'Éternel? Le Seigneur nous invite aujourd'hui à venir plaider avec lui. Plaider, ça veut dire que tu vas défendre ta cause devant l'Éternel. S'il fallait défendre ta cause devant l'Éternel, que lui dirais-tu? Est-ce que tu viendrais avec ta justice, tes moyens personnels pour venir présenter à Dieu? La même Bible nous enseigne que toute notre justice est un vêtement souillé devant Dieu. Alors si nous venons avec notre justice, nous sommes disqualifiés d'office. Lorsque Dieu nous dit « venez, plaidons », c'est une manière de nous inviter dans sa présence. Ce n'est pas parce que nous allons venir et nous allons le convaincre que nous sommes bons. Il n'y a rien de bon dans la nature adamique. La nature que nous avons héritée d'Adam et Ève est une nature qui est déchue. Et de ce fait, nous n'avons pas de ressources en nous pour être bons, du moins suffisamment bons devant Dieu. Nous pouvons être bons à nos propres yeux, mais pas assez devant l'Éternel. Alors il nous dit, venez dans ma présence, venez plaider avec moi, parce que je veux effacer vos péchés. Dans tous les cas, vous serez convaincus du péché lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, parce que Dieu est saint. Dieu nous invite à entrer dans sa présence pour pouvoir nous convaincre de péché, mais il nous donne une garantie. Si vous entrez dans ma présence, quelle que soit la noirceur de vos péchés, ils seront effacés, parce que Dieu a le pouvoir d'effacer tous nos péchés. Quel que soit le péché que tu as commis, bien-aimé, ne reste pas dans les ténèbres, ne reste pas dans ton coin à te morfondre. Viens déposer ce péché devant l'Éternel des armées et dis-lui, Seigneur, je reconnais que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je ne viens pas pour plaider en levant la face pour dire je suis fort, mais je viens pour plaider par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est ma justice. Et lorsque nous venons dans cette posture-là, oui, bien-aimé, Dieu fait quelque chose. Dieu nous applique la justice de Jésus et nous devenons blancs comme neige. Nous devenons purs à ses yeux. Et c'est alors que la seconde partie de ce passage biblique peut s'appliquer à nous. Parce que là, il nous dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Qui ne veut pas manger les meilleures productions de ce Cameroun, ce pays que nous aimons tant? Moi, je voudrais en manger. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? Aie de la bonne volonté. Sois docile. Docile envers Dieu veut dire accepte sa direction. Soumets-toi à son orientation. Et dans cette condition-là, tu mangeras le meilleur parce que Dieu se chargera lui-même de t'ouvrir les portes. Bien-aimés, combien de fois avons essayé par nous-mêmes d'ouvrir les portes qui ne se sont pas ouvertes? Dieu a le pouvoir de nous ouvrir les portes. Et s'il nous ouvre les portes, personne ne peut les fermer. Tu veux manger les meilleures productions de ce pays, les meilleures productions de cette ville, alors sois docile envers Dieu. Soumets-toi à sa parole. Obéis-lui et il t'ouvrira les portes. Mais si tu veux avoir des difficultés, oppose-toi à Dieu. Et c'est ce que dit le verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et qui peut s'opposer? Certaines personnes se plaignent d'être maudites. Mais la véritable malédiction, c'est de désobéir, de résister à Dieu. Bien-aimé, si tu as résisté à Dieu dans ta vie, pas la peine d'avoir été maudit par des parents ou par des ancêtres. La résistance suffit pour se plonger dans le tourment et dans l'égarement. Aujourd'hui, Dieu t'invite à entrer dans une vie de bénédiction en plaidant sur toi le sang de Jésus, en acceptant que
d'être docile, d'être soumis à sa parole. Et je voudrais bien aimer que nous puissions le concrétiser en disant un mot de prière, un tout petit mot de prière que je t'invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole que tu donnes aujourd'hui. Tu y montres toute ta bienveillance envers moi. Merci d'avoir donné ton sang pour plaider ma cause devant Dieu. Merci parce que par ce sang, je suis justifiée et je peux manger les meilleures productions de ce pays parce que j'accepte d'être docile, d'être soumis à ta parole, d'être obéissant envers toi aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, brise de ma vie toute forme de rébellion, toute forme d'égarement qui voudrait me soustraire de ta présence et de ta bénédiction. Je te remercie, Seigneur, de m'exaucer au-delà de mes supplications. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimé, et que Dieu te bénisse.